Bienvenue à vous pour ce moment de discussion, on appelait ça une masterclass avec Jacques Perconte, dans le cadre de cette résidence d'artistes et de création donc, qui se passe cette année en 2021-2022, soutenue par le Centre culturel universitaire ici et qui consiste donc en la création d'une œuvre ou de quelque chose dont on ne sait pas encore exactement ce que ce sera ou ce que, voilà, ou ce que ça va être. Et en tout cas, qu'on découvrira en septembre 2022 quand Jacques reviendra, puisque donc je rappelle, il est venu une première fois en septembre, une semaine pour des repérages ici dans la région. Il est là pour une dizaine de jours pour un moment encore de repérage et de tournage. Et puis ensuite, voilà, il finalisera une nouvelle œuvre ou peut-être des pièces, plusieurs petites pièces. Enfin, je ne sais pas, on ne sait pas donc quelle forme ça prendra exactement, parce que tout simplement, il ne le sait pas lui-même encore. Et que ça fait partie du processus de création. Ce qu'on voulait faire et aborder aujourd'hui, c'est revenir sur deux choses pendant les deux petites heures qu'on a ici. C'est d'aborder une question qui est finalement pas si souvent abordée avec les artistes, et c'est l'idée en fait de la résidence même d'artistes qui nous a donné envie de parler de ça. C'est les conditions matérielles, logistiques, économiques, techniques, enfin beaucoup, tout l'ensemble des conditions qui font qu'un artiste peut faire son métier, comment il fait son métier. On pourrait appeler cette première partie peut-être de notre échange le métier d'artiste, en quoi il consiste et quels en sont tous les enjeux, les problèmes et les libertés, en fait les contraintes et les libertés. C'est pour ça aussi qu'on a appelé cette masterclass esthétique et liberté, à savoir dans quel cadre, également dans quel cadre juridique un artiste crée et quelles sont justement les contraintes et les libertés qu'il peut trouver dans ce cadre-là. Et puis dans un deuxième temps, on s'intéressera à une pièce qui s'appelle Europa Aur, Europa Aur, qui est une des pièces les plus récentes, mais il y a eu plusieurs pièces récentes, mais celle-ci est assez particulière parce que c'est une commande de l'Union européenne, en fait, pour la présidence de la France au Conseil de l'Europe. C'est une pièce qui est installée en ce moment à Bruxelles, en Belgique. Et Jacques nous parlera de ce travail très particulier qui l'a vraiment happé ces derniers mois, justement entre le moment où il est venu la dernière fois, septembre, et puis tout début janvier, il a passé un temps assez phénoménal à travailler sur cette pièce, dont on entreverra quelques fragments, même si on verra tout à l'heure, on expliquera que ce qui sera montré ici n'est pas du tout montré dans les conditions techniques dans lesquelles la pièce est montrée à Bruxelles, mais ce sera simplement pour en avoir un aperçu, et Jacques reviendra un peu sur tout ce travail. Quelques mots encore en guise de conclusion de mon introduction, je voulais dire. C'est que j'ai commencé à engager, moi je crois, un dialogue avec Jacques autour de 2018, il me semble, et depuis on entretient un dialogue régulier, c'est une vraie chance pour moi. Enfin, j'apprends beaucoup de choses à son contact, je découvre son travail, les évolutions de son travail, c'est vraiment passionnant. En 2018, on avait commencé un dialogue parce que j'avais eu l'occasion d'écrire un livret pour une édition DVD Blu-ray de certains de ses films chez Revoir Vidéo. Et voilà, j'avais écrit ce livret, c'est ce qui m'avait engagé à commencer à m'intéresser de manière plus approfondie à son travail. Et ce que j'ai continué à faire, et c'est ce qui m'a donné aussi envie de proposer cette résidence de création ici. Je voulais signaler d'autres parutions depuis. Tout dernièrement, là, il est vraiment tout frais, c'est un livre de Bidan Jacobs, qui a travaillé pendant de longues années sur une thèse et qui s'appelle aujourd'hui « Esthétique du signal, hacker le filmique », et qui s'est beaucoup nourri du travail de Jacques. Bidan Jacobs a aussi lui-même entretenu un long dialogue avec Jacques Perconte, l'a beaucoup accompagné dans son travail, et la couverture de ce livre est une image d'un film de Jacques, Satyagraha. Il y a un autre livre que je n'ai pas pu avoir avec moi, livre de Antonio Sommaini et Francesco Casetti, qui est un ouvrage collectif sur la haute et la basse définition des images. C'est également aux éditions Mimesis, dans la collection dirigée par Antonio Sommaini, tout comme ce livre. Et il y a à nouveau une image de Jacques Perconte en couverture. Voilà, donc ça fait... Comment ? Et dedans,
Et dedans, bien sûr, mais quand même deux couvertures avec des films de Jacques. Là, cette fois, c'est Le Tempestaire. Et puis, je voulais signaler, il y aurait beaucoup d'autres livres à signaler, mais un livre qui pourrait aussi nous accompagner ou vous accompagner dans l'approche des films de Jacques. En tout cas, moi, ça nourrit mon approche de ces films. C'est un philosophe plutôt de la nature ou du vivant qui s'appelle Emmanuel Ecoccia et qui a écrit ce livre Métamorphose, et notamment grande part du travail de Jacques a à voir avec la métamorphose, les métamorphoses du vivant, dans ses films sur la nature, et notamment la pièce Europa Aour est une pièce peut-être qui approfondit cette question des métamorphoses au sein même de l'image de manière, il me semble, la plus poussée jusqu'à présent dans ton travail, Jacques. Voilà pour ce préambule. Et puis donc commencer, je vais te donner la parole tout de suite, Jacques, si toi-même tu veux annoncer des choses en introduction, et puis commencer avec cette question du métier d'artiste, dans quelles conditions on crée, dans quelles conditions donc économiques, juridiques, techniques, etc. Comment on fait en fait aussi son chemin d'artiste et comment on gère ces questions qui sont des questions très concrètes en fait avec le projet artistique lui-même. Oh, bonjour, quand même. C'est vrai que quand on a discuté de cette rencontre ce matin, moi j'étais encore et je suis toujours encore dans l'après de ce gros projet pour la France, pour le Conseil de l'Europe. La pièce vidéo, elle est installée au Conseil de l'Europe depuis début janvier. Et comme à souvent, dans des gros projets comme ça, il y a une pression intense dans le travail qui est, on va dire, à 95% de ma responsabilité, en fait, puisque c'est dû à ma façon de travailler et que ça pourrait se passer autrement si je faisais des choses plus simples. Et derrière ça, ça sous-tend toute la question de la réalité de mon travail, à la fois sur le plan technique et sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan économique depuis le début de ma carrière, puisque quand j'ai fini, en fait, je n'ai pas commencé comme ça, mais j'ai eu un détachement entre ma pratique artistique et une pratique professionnelle qui s'est opérée alors que j'étais encore étudiant à l'université. Je crois que j'en avais parlé un petit peu quand j'étais venu la dernière fois dans ton cours, que je suis très vite rentré en stage au CNRS alors que j'étais étudiant en art plastique sur des questions techniques d'Internet, d'informatique et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à avoir une pratique professionnelle qui m'apportait des projets qui au départ n'étaient pas liés à des revenus puisque j'étais stagiaire, mais qui rapidement, en fait, m'a fait travailler sur des choses extérieures à l'université. Par exemple, j'ai fait le site de l'Université internationale de Venise en 97, je crois, quelque chose comme ça. 90, enfin, je ne sais plus trop les dates. Mais, et donc, j'ai commencé à avoir comme ça une possibilité de gagner de l'argent avec des projets. Et j'ai détaché en fait la question économique de la question artistique à ce moment-là en me disant, puisque je pense que c'est une peur qui est assez fréquente quand on arrive au bout de ses études, quand on étudie l'art et puis certainement beaucoup de choses, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour vivre après ? Est-ce qu'on va travailler à Décathlon et essayer de trouver quelque chose ou est-ce qu'on arrive à construire un parcours professionnel, ce qui n'est pas évident quand on fait des études d'art. Et j'ai eu la chance d'arriver à un moment de l'Internet où il y avait beaucoup de choses possibles et de creuser un sillon là-dedans. Et je me suis mis à... Enfin, je me suis dit qu'il fallait que ça soit quelque chose de fort pour moi qui me permette d'être libre économiquement pour... ne pas risquer de devoir arrêter ma pratique artistique et d'avoir du temps en fait pour travailler. Et ce type de projet-là a été idéal parce que on travaille beaucoup pendant
quelques semaines, quelques mois, et puis après, on peut arrêter de travailler. Donc j'ai conduit les débuts de mon aventure comme ça. Et c'était très bien au début, mais après, c'est devenu compliqué parce que les projets professionnels prenaient de plus en plus de place. Et ça devenait difficile aussi dans la pression de travail que ça demandait pour garder du temps à côté pour travailler mes projets artistiques. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire un pas de côté et d'aller vers l'enseignement technique de ce que je savais. Ça, c'est quand même... Là, j'ai fait un saut de 10 ans. Ça m'a pris 10 ans à peu près d'aller vers l'enseignement de ça. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à être plus contacté pour des questions commerciales par rapport à mon travail artistique, que j'ai commencé à vendre des images. Donc c'est avant 2010, en 2009 à peu près, je crois les premiers tirages, les premières images que j'ai vendues, c'est 2008. Et donc j'ai commencé à avoir des revenus comme ça, liés à mon travail artistique, qui n'étaient pas des choses que je construisais, puisque je n'allais pas faire des dossiers de subvention, je ne dépendais pas de choses. Donc c'était un plus qui venait par rapport à des choses que je faisais et qui étaient déjà intégrées dans une sorte d'économie. Et donc du coup, je me suis senti en sécurité d'aller vers l'enseignement par rapport à ça. Je ne me sentais pas d'enseigner l'art à ce moment-là. Pour moi, c'était important de rester séparé dans mon approche professionnelle de l'art, même si c'était difficile d'une certaine manière parce que mon regard il fonctionne comme ça, mais je me disais qu'il ne fallait surtout pas que je sois dans un métier où ma pratique artistique soit en jeu pour rester pleinement frais et libre quand je me consacrais à mon travail. Et ça a continué quelques temps jusqu'au moment où, évoluant dans l'enseignement, j'ai eu de plus en plus de responsabilités, j'ai construit des choses là-dedans. Et ça prenait trop de place et il fallait que je trouve une solution parce que je ne pouvais pas conduire cette carrière-là en parallèle d'une carrière artistique. Ce n'était pas possible. Je me suis retrouvé, après quelques années, à diriger un projet de master et encadrer une formation professionnelle. Et voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en disant « voilà, je travaille une semaine sur deux ». Et donc, une semaine sur deux, on ne répond plus aux gens et on ne suit plus ce qui se passe. Et donc, j'ai fait ça quelques années et j'ai senti que je pouvais lâcher la bride et aller vers une pratique professionnelle pleinement liée à ma pratique artistique. Et là, c'était un moment compliqué parce qu'on se dit, à partir de ce moment-là, il faut que les revenus de l'art qu'on produit soient à hauteur suffisante pour vivre et pour continuer à produire des projets. Ce qui peut être compliqué quand on est dépendant de questions techniques importantes et de questions logistiques quand on tourne et on voyage beaucoup. Et donc, je me suis lancé là-dedans et au bout d'un an, je suis retourné vers l'enseignement, mais en école d'art, puisque c'était encore à l'époque possible d'être très souple, de trouver des écoles dans lesquelles la question de la présence était très souple. Puisque l'immense difficulté d'enseigner de façon régulière, c'est d'être là de façon structurée dans le temps. Parce que les projets, des fois, ils emportent 2-3 mois. Et puis après, on peut être libre un mois. Et puis ensuite... on va pouvoir être libre une semaine sur deux. En tout cas, c'est très difficile de trouver des structures. Pour moi, c'est très difficile de trouver des structures par rapport à mon travail, qui est d'un niveau d'intensité très important. Et voilà. Et,
Et j'ai gardé un peu ça, mais il faut savoir qu'enseigner dans une école d'art, c'est des petits revenus la plupart du temps. Il y a quelques écoles d'art qui offrent des salaires qui permettent vraiment de dégager du temps à côté d'avoir une pratique artistique, mais beaucoup d'écoles demanderaient d'avoir un autre job à côté pour pouvoir travailler et être indépendant économiquement sur le plan artistique. Et à quel moment tu es devenu artiste à plein temps ? En fait, je l'étais déjà, je n'étais pas dépendant des salaires des écoles. Quand je suis allé enseigner en école d'art, j'y suis allé parce que j'avais envie d'enseigner. Et je pense que c'est quelque chose qui reste toujours très présent chez moi et qui apporte un lissage au niveau des rentrées des revenus, puisque mes revenus sont absolument pas régulier, quoi. Ça arrive fréquemment que j'ai des périodes de plusieurs mois sans revenus. Enfin, ça arrivait maintenant, ça arrive un petit peu moins, mais parce qu'il y a toujours des petites choses, mais en tout cas, il n'y a pas de choses fiables, régulières, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis surtout, on est très dépendant des fluctuations. Voilà, la pandémie a été une fluctuation, entraîné des fluctuations très, très importantes, beaucoup plus que d'habitude. Plus que d'habitude, mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que j'ai un fonctionnement qui fait que j'ai régulièrement des projets qui représentent 60 à 80% de mes rentrées d'argent sur une année. Et ces projets peuvent disparaître du jour au lendemain parce qu'ils sont eux aussi dépendants de choses. Et ça arrive, en dehors de la pandémie, ça arrive régulièrement qu'il y ait de ces projets qui glissent d'une année à l'autre parce que les budgets ne sont pas bouclés. Donc finalement, il y a besoin de prendre une année de plus pour trouver l'argent pour me passer la commande. Et des fois, il y a des projets qui disparaissent et qui ne se font pas, ou il y a des projets qui finalement sont dangereux à faire aussi pour moi et qu'il faut que j'abandonne. Donc ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé. Puisque la promesse économique n'est pas tenue, quoi. C'est un truc qui, au départ de mon travail, semblait facile à gérer, cette histoire de l'argent, mais qui, avec le temps, est devenu un peu plus compliqué. Oui, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que tu as déjà un peu dit tout à l'heure, ou que tu m'avais déjà dit auparavant, c'est que parfois, il n'y a pas de rapport entre, par exemple, le budget alloué à une pièce et le temps que tu vas y passer. Est-ce que tu arrives quand même, au bout du compte, à calibrer un peu les choses, quel est le rapport entre ça, entre le système de production, le contexte de production et le temps passé sur une œuvre ? Est-ce qu'il y a un rapport au final entre les deux ? Il y en a toujours un au départ, mais il n'est jamais respecté. En ta faveur. Voilà, en ma faveur. Dans le sens où je ne peux pas faire mon travail où que ce soit, en fait. Donc. Et ça, j'ai commencé à l'accepter il y a quelques années. C'est que à partir du moment où j'accepte un projet, il se peut qu'il n'y ait pas vraiment de différence. Par exemple, entre Salambo, qu'on verra mardi, et Europa Aour, en termes de volume de travail, je dirais que j'ai travaillé peut-être trois fois moins sur Salambo en termes d'heures que sur Europa Aour. Par contre, mon budget sur Salambo, il est peut-être 30 fois inférieur au budget de Europa Aour. Au départ, je pensais travailler peut-être un mois et demi sur le projet pour Salambo, mais c'était pas possible. C'était pas possible que je livre quelque chose qui me plaisait et que j'estime dans ce contexte-là, qui aurait été
comme au début de chaque projet, c'est l'illusion, voilà, économiquement, si je travaille un mois sur ce projet par rapport à ce qui va rentrer, c'est acceptable. C'est pas, ça veut pas dire qu'il y a un bénéfice où je peux m'acheter un truc derrière, mais c'est acceptable. Donc il y a toujours ce truc-là, mais c'est une espèce de choses qui s'équilibrent normalement par rapport à des projets plus gros sur lesquels j'ai plus de budget. Et généralement, voilà, quand j'ai des commandes privées, c'est quelque chose qui se pondère, puisque la commande privée, généralement, n'impose pas de répartition économique sur les budgets, contrairement à la commande publique qui, elle, impose une répartition, une ventilation qui fait qu'on a généralement un très gros budget de production et un petit cachet qui paraît gros quand on voit le chiffre, mais quand on le met en perspective par rapport au temps de travail et à la durée du projet, ben, on arrive à des salaires qui sont plutôt petits. Normalement, les choses s'équilibrent. C'est-à-dire, normalement, il y a des projets qui sont mieux payés pour permettre à des projets qui sont moins bien payés d'être travaillés de la même manière. Oui, parce qu'en termes de contexte de production, c'est ce que tu as dit, il y a des commandes publiques, des commandes privées, des résidences plus ou moins longues, sur plus ou moins long terme, et puis tes initiatives personnelles, parce que par ailleurs, tu génères aussi toi-même tes propres projets, oui, qui ne sont ni des commandes, ni des demandes, ni des appels. C'est ta propre spontanéité, ton envie à un moment donné de faire quelque chose, de le faire, et qui vient s'ajouter à tout ça. Alors ça, du coup, s'autofinance à ce moment-là, tu es dans une forme d'autoproduction, puisque tu décides toi-même de produire une œuvre sans que personne ni te la demande, te la commande ou te la paye. Mais du coup, comment est-ce que tu te retrouves à travailler en même temps sur plusieurs œuvres, ou est-ce qu'une œuvre doit être aboutie pour passer à la suivante, et c'est comme ça une espèce de d'enchaînement où on passe d'une pièce à l'autre, ou est-ce que tu parviens à travailler sur plusieurs projets en même temps? Comment tu mènes ça Ça dépend des temporalités réelles des projets. Ça arrive que, bon, par exemple, pour Europa Hour, qu'on verra après, la temporalité est très courte. Donc du coup, je suis obligé de dégager tout mon temps. J'ai absolument, l'année dernière, arrêté tout. C'est-à-dire qu'à partir après être venu ici, tout le reste, je l'ai annulé. Parce que la commande, elle est arrivée tard et il y a eu beaucoup de difficultés administratives pour mettre les choses en place. Mais la plupart du temps, en fait, j'ai besoin d'avoir des temporalités différentes sur les projets. Donc, c'est des successions de temps consacrées. Je vais travailler une semaine, 10 jours, peut-être 15 jours sur quelque chose que je vais laisser de côté après, pendant un certain temps, pour revenir dessus. Mais il y a des projets qui demandent beaucoup d'intensité, sur lesquels je ne peux pas décoller. Comme par exemple avant l'effondrement du Mont Blanc, c'était un projet qui nécessitait beaucoup d'intensité, ou la série Or, qui sont des films aussi qui nécessitaient beaucoup de concentration. Donc du coup, ils sont faits vraiment, véritablement d'une traite. Et voilà, c'est toujours un truc qui est compliqué. Après, il faut savoir de garder ces choses-là, c'est pas raisonnable. J'ai pas une pratique raisonnable. Et, ça induit des problèmes de santé, ça induit des problèmes économiques aussi, d'avoir une production comme ça trop importante. Ça met face à des difficultés. Il y a comme une nécessité pour moi de maintenir une qualité, enfin pas une nécessité, il y a une obsession d'arriver à quelque chose que je peux lâcher, en fait. Je dirais que quasiment aucun de mes projets n'est fini, je finis jamais rien, mais à un moment donné où j'atteins un niveau qui me permet d'arrêter de travailler dessus. J'atteins un état de l'objet qui permet de relâcher. Et c'est ça qui est la grande difficulté sur le plan
matériel économique, c'est-à-dire que des fois, je fais des projets, bah, par exemple, typiquement, j'ai fait une pièce, là, juste après, ici, j'ai une petite résidence à Cals, au-dessus de Perpignan. Il était question de montrer des images dans le village et il n'y avait pas les moyens de produire quoi que ce soit, de montrer de façon raisonnable quoi que ce soit dans le village, parce que ben, les écrans, les projections, c'était quelque chose d'inenvisageable. C'est une résidence avec sur laquelle on travaille depuis assez longtemps, plusieurs années, qui a toujours été compliqué à faire. Et puis alors là, c'est, avec la pandémie, ça a été encore plus compliqué. Et j'ai décidé de faire une série de tirages pour le village. Et j'ai créé une nouvelle pièce pour ça. Dans la réalité, il n'y a pas du tout d'économie, il n'y a pas de place dans le projet pour faire ce truc-là. C'est un truc qui est complètement bête de ma part d'avoir fait ça. Mais voilà, j'ai la relation qu'on a, la façon dont les choses se sont construites. Plus que bête, c'est peut-être ce qui te semble juste. En fait. Voilà, c'est bête sur le plan matériel économique, mais c'est juste sur le plan artistique. C'était juste pour moi de faire ça parce que je voulais pas produire. Je voulais pas qu'il y ait de choses mal montrées, ce qui est la plus grande difficulté systématiquement. Par rapport à mon travail, c'est que souvent les contextes de monstration ne permettent pas de montrer correctement les choses. Et là, je suis en relation avec un village qui est très impliqué et je ne voulais vraiment pas qu'il y ait quelque chose de sommaire, fébrile, superficiel. Fragile, qui pour moi aurait été un manque de respect. Voilà, j'ai souvent cette... chose là qui me vient de je sais pas où, mais par rapport à la monstration de mon travail, très vite je me sens dans une situation où mal montrer les choses, c'est ne pas respecter les gens qui viennent voir. Et c'est jouer le jeu d'un monde où les choses sont souvent mal faites de façon superficielle, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons des fois de fainéantise. Et d'abandon des motivations. Et donc, du coup, contre ça, j'ai peut-être développé une maladie d'exigence. Oui, alors justement, je voulais revenir là-dessus. Le point où on arrête une œuvre, le point où tu arrêtes une œuvre en disant il y a un point où j'estime que j'ai atteint quelque chose, ou l'œuvre a atteint quelque chose. Est-ce que ce niveau d'exigence, il a évolué? Est-ce qu'il est plutôt... est-ce qu'il bouge? Non, est-ce que, ça ne bouge pas du tout. Ça. Est-ce que tu peux te faire confiance sur ce point? Oui, je me fais confiance. Et je sais, bon, il y a des choses que, de toute façon, je ne peux jamais compléter. Puisqu'il y a des réalités physiques auxquelles je peux pas pousser plus. Par exemple, le repas à Our, donc le projet au départ, je voulais faire une vidéo qui devait faire 1h45 à peu près. Et j'ai dû abandonner des tableaux dans la vidéo parce que j'avais pas matériellement le temps de les faire. Vraiment, c'était pas possible du tout physiquement de les faire. Et il y a une partie de la pièce que j'ai bâclée. Alors, c'est toujours marrant, étrange, cette histoire du bâclé, parce que les gens se rendent pas compte. Mais moi, je me rends compte qu'il y a une partie de la pièce qui a ce niveau d'exigence, de qualité, pour moi, qui fonctionne. Et qui est le mode relationnel avec lequel j'ai envie de construire quelque chose avec le public. Et puis une partie qui est comme un croquis de ce que ça devrait être pour moi. Mais c'est quelque chose qui est très difficilement décelable. Et dans ma carrière, j'ai rencontré une seule personne qui sentait ça. Qui sentait, qui le disait pas comme ça, mais qui disait ça c'est plus fort, ça c'est plus faible, qui était capable de sentir
ces pièces. Et ça m'a troublé parce que c'était vraiment la première fois que quelqu'un sentait ces moments où moi, je relâche parce que je n'ai pas le temps de continuer quelque chose. Donc c'était assez étrange de voir qu'il y a, en fait, il y avait quelqu'un d'autre que moi qui pouvait voir ça et qui avait un regard critique et un regard d'autorité aussi. Pour ça, hein, pour la cité, c'est Véronique Gégère de la galerie Jeanne Boucher-Gégère, quoi, qui est une galerie incroyable, qui est une galerie historique des avant-gardes, qui est la première galerie à avoir exposé Kandinsky dans les années 20, qui est une galerie familiale. Où c'est la grand-mère qui a fondé la galerie. Ensuite, ça a été le père de Véronique. Et puis maintenant, c'est Véronique et son frère qui dirigent la galerie. Et c'est quelqu'un de très sympathique, mais elle a un regard, une lecture des œuvres qui, moi, m'a extrêmement troublé. Et quand j'ai senti ça, du coup, après, j'ai essayé de construire quelque chose avec elle et de rester en dialogue avec elle parce que, quelque part, c'est un peu la seule personne qui arrive à filtrer mon travail. Ou à voir dans des pièces où elle était venue voir Faust, par exemple, et elle avait tiqué sur des endroits qui étaient les endroits qui étaient sensibles pour moi. Et donc c'est quelque chose. On sort un peu de ce dont on parle, mais c'est quelque chose qui est très particulier quand on est artiste, d'avoir de véritables regards critiques et des regards très honnêtes. Qui servent à quelque chose par rapport à son travail. Y a beaucoup de choses qui servent absolument à rien dans les retours, qui sont agréables et qui motivent et qui participent au désir aussi de d'être en relation avec les gens, quoi. Mais il y a peu de regards qui touchent des choses à des endroits. Qui permettent d'avancer. Et c'est la principale raison en fait, pour laquelle je travaille beaucoup avec des chercheurs depuis Bidane. En fait, c'est Bidane qui m'a fait me rendre compte de ça. C'est que Bidane, comme toi aussi, ou Vincent Sorel, Nicole Brenez, Fred Braillard, Alice Leroy, Violaine Boutet de Montvel, voilà, c'est comme ça, il y a des personnes qui, sans avoir un regard critique véritablement sur mon travail, font sortir des choses que je ne vois pas et qui, moi, me font prendre conscience et me font avancer dans mon travail. Et c'est peu de gens, dans l'ensemble des gens qui me contactent et avec qui je discute, ça reste un phénomène rare quand même, ces choses-là. Des regards qui ont suffisamment d'autonomie pour pouvoir produire des formes qui, moi, me permettent de prendre une distance. Un peu comme, et je dirais que, par exemple, avec Bidane, qui est le travail qui était le plus conséquent, puisque Bidane, on a été vraiment, je pense, en dialogue, comme si on était des voisins de palier pendant presque 10 ans, ou peut-être plus. Il a fait des dizaines d'entretiens poussés. En fait, Bidane a eu une influence forte sur mon travail, au même titre que lui... dit que j'ai une influence sur le sien, puisque il y a des choses dans mes films qui sont du fait de Bidane. Alors, il n'a pas inventé des formes, mais il a dégagé des choses de mon travail que je ne voyais pas. En les dégageant, je les reconnais. Et c'est quelque chose qui arrive avec la maturité dans une pratique artistique. Ou peut-être dans une pratique professionnelle, quelle qu'elle soit. C'est avec le temps, on se rend compte de certaines choses. Et là, la collaboration avec la recherche, avec des chercheurs, parce que ce n'est pas avec tous les chercheurs, avec certains chercheurs,
permet de faire des sauts dans le futur, je pense, dans ces questions de maturité par rapport au travail. Donc c'est très précieux. Mais je suis j'ai glissé. Non, mais c'est très bien parce que ça fait pleinement partie de la suite de la discussion. Mais peut-être qu'on peut aller vers la mise en place de Ropa Aour. Peut-être dire un petit peu ce contexte quand même très particulier, parce que je pense que c'est la première fois que tu as travaillé sur ce type de commande, une commande publique, mais donc à échelle européenne, Alors c'est une certaine envergure. Parce que moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai suivi un peu les étapes de ça, que tu m'as raconté justement à partir de ta venue en septembre dernier, tu avais commencé à être pleinement dedans, et puis tu m'as raconté un peu la suite. C'était quand même quelque chose d'assez particulier dans le comment gérer à la fois le plan artistique, ta liberté artistique, même si ta liberté n'a pas été du tout entravée directement, mais comme si le contexte de production lui-même, devenu quand même un peu monumental, avait créé des entraves à plein d'égards. Et en même temps, tu as greffé là-dessus un enjeu technique, puisqu'il s'agissait de faire créer un écran spécial et spécialement pour cette occasion et pour cette pièce. Donc il y avait un enjeu technique, il y avait un enjeu juridique du contexte de cette production qui était assez particulier, et puis quand même une attente d'une institution publique avec une forte attente, donc qui pèse aussi, j'imagine, en termes de pression, de ce qu'on attend de l'artiste. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça s'est mis en place et comment tu as répondu ou pas, ou essayé de répondre aux attentes ? Ouais. Alors, faut que je dise que j'ai beaucoup de commandes depuis quelques années, qui sont des commandes de. Il y a deux familles de commandes. Il y a des commandes de collaboration où on me contacte pour collaborer avec un ensemble musical. Par exemple, Faust, j'ai été contacté par une compagnie qui fait de l'opéra et qui m'ont proposé de faire un opéra avec leur ensemble musical. Donc j'ai collaboré véritablement avec le directeur artistique, avec le compositeur, le chef de chant, la directrice musicale de la compagnie pour faire la création. Sachant que c'est notamment Othman Loati qu'on va retrouver sur la musique de la pièce Salambo qu'on verra mardi. Qui est devenu un collaborateur essentiel. Et Seconde Nature, qui est une compagnie de danse qui m'a proposé de faire une collaboration avec Fabrice Lambert, le chorégraphe. Donc ça, c'est des commandes de collaboration. Après, j'ai des commandes privées. Donc des gens qui aiment mon travail, qui me disent voilà, on voudrait une pièce, et puis c'est tout. Donc je donne un prix et puis c'est fini. J'ai plus qu'à faire le travail. Des commandes plus institutionnelles que généralement je fuis, puisque j'ai eu une très mauvaise expérience il y a 15 ans pour un 1% artistique. Où il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes politiques tout au long du projet personne pour me défendre. Donc j'ai perdu pas mal d'argent sur le projet. Parce que je me faisais balloter dans tous les sens pendant 6 ans. J'ai été contacté par un ami qui est designer graphique. Qui travaillait comme graphiste à ce moment-là pour un cabinet d'architecture et de scénographie qui s'appelle Adeline Rispail, qui était en concours pour le projet de scénographie de la présidence française de l'Union européenne. Les recherches qu'ils avaient faites, ils avaient évoqué de présenter une de mes œuvres dans leur scénographie. Ils se sont retrouvés très rapidement sélectionnés. Donc, ils m'ont contacté pour me demander si ça m'intéressait une fois qu'ils étaient sélectionnés pour le projet. Euh, et, euh,
Et donc moi, j'y suis allé avec beaucoup de sympathie, puisque j'avais un ami qui était directement lié à ça, et que je lui faisais confiance. Mais en même temps, j'étais assez effrayé par le projet, parce que je sais que c'est très vite des problèmes d'échelle, de production, que de travailler avec des institutions importantes sur des gros projets. Et en fait, ils ont gagné à l'unanimité le projet. Et en fait, je crois que le concours a été remporté en juin pour livrer un projet normalement en décembre. Et moi, j'avais besoin d'un an et demi à peu près pour faire le projet de façon saine. Donc, ce qui était difficile en 6 mois. Et donc, du coup, j'ai voulu commencer tout de suite. Ouais, j'ai dit qu'il fallait vraiment, que c'était urgent que je commence tout de suite. Mais on a perdu plusieurs mois sur le début du projet, ben, pour des histoires de dimension. Donc, l'ensemble du projet a un budget assez colossal, qui est d'1,3 million d'euros, je crois. Donc, qui représentait plusieurs dispositifs de scénographie dans l'ensemble du bâtiment du Conseil de l'Europe. La difficulté de tout ça, c'est que c'est un séquençage de chantiers avec des appels d'offres publics qui sont très compliqués à rédiger, très techniques, et que je n'ai pas réussi à faire passer le mien en priorité. Et c'était assez compliqué, donc du coup j'ai dû commencer à travailler sans leur budget. J'ai attendu pour partir en tournage autant que je pouvais, mais début août, j'avais toujours pas de contrat, toujours pas de garantie signée ou quoi que ce soit sur le projet, mais je pouvais pas attendre plus pour me mettre au travail. Donc il fallait que j'avance l'argent du projet. J'avais des investissements matériels importants à faire aussi. Il fallait que je me mette au travail, que je fasse une partie des investissements avant d'avoir l'argent. Et ça, c'est très compliqué quand on n'est pas un studio avec un roulement important, quoi. Moi, du tout l'ambition de devenir un de ces studios comme beaucoup d'artistes contemporains aujourd'hui qui ont un turnover de production monumental, mais où finalement c'est des chefs de projet qui font des dessins un peu comme des architectes et où ils produisent finalement pas grand chose dans la réalité plastique des résultats. Moi, je peux pas déléguer, et à chaque fois j'ai fait des tentatives de délégation, ça a été très difficile parce que dans la réalité, j'ai une pratique d'artisan et l'expérience, elle se délègue pas. Il n'y a pas de possibilité. Déjà, j'ai pas trouvé quelqu'un qui comprenne vraiment de quoi il était question dans mon travail. Et puis après, à part répondre à des mails, ça me fait pas forcément gagner beaucoup de temps. Et donc, du coup, j'ai dû avancer quelque chose comme 12 000 euros sur le projet, ce qui était compliqué pour moi de faire ça alors que c'était encore un peu la pandémie. Heureusement, j'avais des projets qui arrivaient. Il y avait un tuilage qui permettait de limiter un peu la catastrophe, mais ça a été quand même très compliqué et j'ai dû commencer le projet comme ça dans une économie un peu tendue, avec des contraintes de temps très importantes, et généralement contraintes de temps et économie tendue, ça c'est pas très bien, ça va pas très bien ensemble, parce que quand on a des contraintes de temps et qu'on a beaucoup d'argent, on peut trouver des solutions qui permettent de gagner du temps, mais là, donc j'ai fait au mieux. Et bon, finalement, dans les parties, j'ai réussi à consacrer suffisamment de budget là où il y en avait besoin. Mais j'ai dû annuler des tournages. Des tournages qui
où je pouvais plus du tout assumer d'avancer l'argent, puisque j'ai reçu la première tranche du budget en octobre, mi-octobre. Donc, c'est-à-dire pour livrer en décembre. Pour livrer en décembre, ouais. C'est-à-dire pour moi, à un moment donné où j'avais quasiment plus besoin de l'argent, bon, j'avais besoin d'arrêter pour rembourser tout ce que j'avais dépensé et tout ça. Mais au final, ouais, j'ai à peu près mis 20 000 euros d'avance sur le projet, ce qui, à mon échelle, est extrêmement conséquent et a été très compliqué à mettre en place. Et a eu des conséquences très concrètes que voilà, le tournage qui était le plus important pour moi sur ce projet, mais qui était le plus compliqué financièrement, qui était une dizaine de jours de tournage sur l'Etna, où là, ben, je voulais vraiment aller très proche du volcan et tout ça. Donc, du coup, j'avais besoin d'une équipe et puis de moyens. Voilà, je ne pouvais pas y aller avec un sac à dos et ma caméra comme je vais en Normandie. Et puis, il y a une question de disponibilité aussi, parce que ben, les phénomènes naturels sont plus dangereux et moins prévisibles. Donc, du coup, j'ai dû vraiment couper... cette partie-là du projet qui était un peu... Donc je l'ai repoussé plusieurs fois et puis à un moment donné on est arrivé fin octobre et là c'était plus envisageable d'aller tourner là-bas puisque les équipes de scientifiques disaient tout le temps qu'on n'allait rien y voir puisque ça serait dans les nuages tout le temps et que... Donc du coup, voilà, il y a des conséquences sur le projet qui ont été très, très importantes. Et puis surtout, ça a fait que le projet a été très ramassé dans le temps et que je me suis retrouvé coincé. Voilà, j'étais coincé tout le temps. Dans la réalité, j'étais déjà en retard de plusieurs mois avant de commencer le projet. Donc avant de commencer le projet, je savais que ça allait être très dur physiquement d'arriver au bout. Mais par-dessus ça, il y a eu plusieurs retards. Donc tout le monde avait fait du mieux qu'il pouvait, mais on avait un appareil institutionnel qui était très difficile à gérer, avec des exigences techniques sur la façon dont les budgets se constituaient et dont ils étaient ventilés. Et ce greffe là-dessus, la fabrication de l'écran. Alors l'écran, il n'a pas été fabriqué. On utilise un écran, parce que là, si on avait fait fabriquer un écran LED, je pense que je serais mort. Mais on a travaillé avec une société qui fabriquait un écran LED. Sur ce projet-là, d'emblée, j'avais quand même un collaborateur avec qui je travaillais, qui est un directeur technique, qui s'est occupé de la rédaction du marché public, de l'appel d'offres qui a été passé, mais qui s'est occupé en amont de trouver comment on allait pouvoir travailler avec un écran LED sur ce dispositif-là dans une réalité esthétique qui est compliquée, qui est la mienne, parce que je suis très exigeant, et sur un plan économique, tout en sachant qu'on allait avoir certainement un matériel qu'on ne pouvait pas payer dans le budget qu'on avait. Et donc, du coup, il a fait des repérages pour trouver les sociétés avec qui on pouvait discuter. Et moi, je lui ai posé une contrainte qui était que je voulais travailler, j'aurais vraiment aimé travailler avec une société basée aux Pays-Bas, puisque je vis aux Pays-Bas, et que j'allais avoir besoin d'aller régulièrement travailler sur site, voir l'écran et faire des essais, et que bon, c'était difficilement envisageable d'avoir l'écran à mon domicile ou dans un atelier. Pour décrire la pièce, donc c'est une installation in situ au Conseil de l'Europe. Et c'est un écran LED qui fait 4 mètres de base sur 5 mètres de haut.
Et au départ, dans mon budget, j'avais prévu de louer un atelier suffisamment grand à Rotterdam pour faire une installation vidéo de cette taille avec un vidéoprojecteur. Parce qu'il y avait vraiment une nécessité pour ce projet-là de travailler à l'échelle. Donc ce qu'on verra tout à l'heure, les images qu'on verra, elles sont ramenées à la taille de l'écran, mais c'est une pièce qui est faite en fait pour qu'elle soit devant nous et qu'on la fréquente. Parce que l'écran est au sol, c'est ça ? L'écran est au sol. Oui, j'ai même pas prévu une image de, de l'installation au final. Mais c'est un écran qui est posé au sol et donc on s'avance vers lui et on peut aller le voir de très près. Quoi. La distance prévue de rapport à la pièce, c'est entre 3 et 6 mètres. Donc c'est assez, on est assez proche de l'écran. Et on verra tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la perception qu'on a de tes images et du coup dans le détail dans lequel tu es allé dans le voilà, travail des images. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne verra pas puisqu'on n'a on n'a pas de dispositif ouais. pour voir. Et donc la première étape du travail, ça a été de voyager et de voir des écrans et de choisir la densité de LED sur l'écran. Et pour moi, c'était vraiment la question essentielle. C'était de trouver un écran qui avait une densité, qui était la bonne densité pour l'expérience comme ça, à une distance de 3, 4, 5, 6 mètres. Donc les écrans LED, hein, la différence entre les écrans LED, c'est l'espacement entre les petites LED qu'il y a sur les écrans, donc il y a la qualité de la LED, et puis il y a l'espacement des LED qui est écrit la distance avec laquelle on verra plus ou moins bien l'image, et à partir de laquelle on verra apparaître ce nuage de LED. Moi, je voulais, comme exactement de la même manière que je travaille la taille de mes tirages, quand je fais des impressions, la taille est toujours relative à la résolution, et donc un pixel, il doit avoir une taille visible, mais suffisamment petite pour permettre ce sentiment d'immense densité de l'image. Et donc, du coup, on a trouvé, par chance, il se trouve qu'un des meilleurs fabricants de LED est une société américaine qui a son antenne européenne aux Pays-Bas. Donc ça, c'était vraiment le coup de peau énorme. Et en fait, ça a été très intéressant de travailler avec eux, et on a travaillé avec eux, et on avait on a dû faire un montage. Enfin, moi, j'ai pas du tout fait quoi que ce soit. Hein. Donc, le directeur technique avec qui je travaillais a réussi à faire un montage avec une société d'événementiel néerlandaise qui a acheté l'écran et qui l'a loué au Conseil de l'Europe pour 6 mois, hein, puisque l'écran a été peut-être 3,5 fois supérieur à notre budget à l'achat. Et que de toute façon, c'était ridicule d'acheter un écran LED pour un usage de 6 mois, puisqu'après, il aurait fallu de le revendre. Et c'était compliqué. Enfin, tout était compliqué, puisque c'était pas, il ne pouvait pas être conservé par l'institution, qui officiellement, je crois, le commanditaire sur le papier, je crois que c'est l'Institut français. C'est, voilà, mais bon, ça, c'est compliqué après. Ces questions d'institution, comment ça fonctionne. Et peut-être qu'on peut rentrer dans le projet, enfin, on est déjà dans le projet, bien sûr, mais dans le projet plus artistique, même si on voit bien que tout ça est complètement entremêlé et intriqué, et qui sont pas dissociables, ces questions qui ne sont pas dissociables, le technique, l'esthétique, l'artistique. Mais tu parlais d'un tournage sur l'Etna que tu aurais voulu faire, que tu n'as pas fait. Effectivement, ce projet européen, un projet pour l'Europe, comment tu l'as envisagé en termes de tournage, en termes de motifs, en termes de lieux? J'ai l'impression que c'est aussi un film quand même, enfin je dis un film, c'est une pièce en fait, ou un film, je ne sais pas comment il faut l'appeler, une pièce un peu somme, parce qu'on y trouve quand même plusieurs de tes obsessions, c'est-à-dire la mer, et notamment les flots et les vagues et le ressac. On y trouve la montagne, et une des montagnes donc, que tu affectionnes beaucoup, la Meije. Et puis, troisième élément principal, qui est de la forêt, de la végétation, des arbres. Donc, y a comme ça, le film rassemble plusieurs des motifs que tu affectionnes. Mais comment tu t'es posé la question par rapport à un projet européen, Alors, c'est un projet politique.
Je dis pas, mon projet n'est pas politique, mais le projet de la scénographie de la présidence française est un projet politique, dans le sens où il y a vraiment une ligne de conduite derrière qui est les valeurs représentées par la politique française pour la direction de l'Union européenne. Et il y a dans les mots-clés, il y a numérique et écologie. Donc c'est certainement ce qui a aiguillé vers mon travail. J'ai pas comment dire, j'ai pas posé plus la question que ça. Moi, j'ai pris comme question nature Europe. Dans mon travail, il y a une question dont je discute assez peu, qui est la question de l'exotisme, qui est quelque chose qui m'est posé très régulièrement, parce que les gens aimeraient que je filme des grands paysages, que j'aille vers des choses qui sont déjà absolument exceptionnelles. Ouais, c'est une réflexion qui revient depuis 15 ans, peut-être. Si tu allais filmer les chutes du Niagara, ce serait extraordinaire. Ah, si tu allais filmer telle chose, ce serait vraiment comme s'il y avait une nécessité d'exotisme. Et ce qui est l'élément majeur qu'on retrouve sur les réseaux sociaux dans la photographie, c'est cette question de l'exotisme, quoi. Il y a une image coloniale de l'exotisme qui est quelque chose à laquelle je résiste, puisque dans mon travail, il y a profondément, enfin dans ma relation à la nature, il y a profondément ancré cette idée que il y a une nécessaire humilité de l'homme face à la nature. Et que du coup, la nature, elle est là tout le temps et elle n'a pas besoin d'être grandiose pour être grandiose. Elle n'a pas besoin d'être précieuse pour être précieuse. Et donc, du coup, je m'attache beaucoup. Et le film qui pose les bases de ça, c'est véritablement Impression aussi. Au même titre, peut-être que... Et peut-être que c'est là l'un des liens réels que j'ai avec l'impressionnisme, de s'attacher à la magie que peut offrir la nature quand on prête suffisamment d'attention à elle, et quel qu'elle soit son état et sa dimension, elle est capable d'être le réflecteur de quelque chose pour nous, qui nous donne un sentiment romantique, transcendant, de puissance, d'émerveillement. Et donc, du coup, il n'y a pas nécessité pour moi d'exotisme. Et au contraire, il y a une sorte de lutte de l'exotisme. Et je dirais peut-être que l'exotisme, c'est la chose à partir de laquelle je pars quand je découvre un lieu et que j'efface petit à petit avec mon travail. Et donc, c'était le point de départ, c'était de surtout pas aller vers quelque chose qui produirait de la carte postale et tout ça. Mais en fait, j'ai pas eu besoin de le discuter. En fait, on ne te l'a pas demandé. On ne me l'a pas demandé. Il n'y a pas eu de demande ou d'injonction. Et ça a été ma première réponse, quoi, de dire ça. Voilà, c'était soit c'était une question à laquelle ils voulaient pas réfléchir, soit c'était quelque chose qu'ils approuvaient complètement. Moi, je pense qu'ils approuvaient complètement ça, mais il n'y a pas eu de demande. Ce que je voulais, c'était ne pas courir sur ce projet. Clairement, j'avais les moyens de sauter dans l'avion et d'aller filmer. Enfin bon, c'est bien que je ne l'ai pas fait parce que du coup, j'aurais eu les moyens, mais j'aurais dû avancer tout avant. Je ne voulais pas picorer.
C'est-à-dire, je ne voulais pas, par exemple, aller 2 jours dans un pays que je ne connais pas et filmer un truc que je n'ai jamais vu et aller à un autre endroit comme ça, et ainsi de suite. Je ne voulais pas enchaîner une série de sauts dans l'espace et dans le temps. Oui, parce que sachant que tu dis que tu développes beaucoup des relations au lieu que tu viens filmer, qui se font sur le long terme, effectivement, ce n'est pas de l'ordre du tourisme de captation et de prédation d'images, où effectivement on va de jour à un endroit et on ramène des images et on ne retourne jamais dans ce lieu. Pas du tout ton mode. Non, ce n'est pas mon mode. Et du coup, je ne voulais rien filmer que je n'ai pas déjà filmé. Je me suis dit, peut-être c'est quand même l'occasion d'aller voir quelque chose de nouveau qui est important pour moi, qui est l'Etna, puisque ma famille, une partie de ma famille vient de la Sicile, issue de l'immigration sicilienne. Et c'est un lieu que je dois filmer depuis des années, et c'est toujours un peu compliqué d'aller là-bas. Pour moi, j'avais envie de faire ça. Et j'avais envie de faire ça parce que je me suis dit que cette question-là de l'Europe, je pouvais pas parler d'un point de vue extérieur. Je pouvais pas construire comme certains artistes le font un point de vue général sur la question de l'Europe, de la nature, du numérique, ou enfin de décrire une situation qui est pas la mienne. Mais par contre, l'Europe, c'est quelque chose que je vis depuis longtemps, puisque je voyage. Et cette question de l'exotisme aussi fait que je voyage jamais très loin, parce que pour moi, c'est important de pouvoir retourner sur les lieux que j'affectionne. Et donc, du coup, il faut qu'ils soient accessibles pour moi. Il faut que je puisse y aller là-bas. Il faut que je puisse y aller sans contrainte logistique, ou avec un minimum de contraintes logistiques. Et la plupart du temps, ça veut dire pouvoir faire une expédition en voiture avec tout mon matériel et être tranquille par rapport à ça. Et donc, ce projet-là, ça pouvait être que l'Europe que je connais, que je fréquente de façon professionnelle, artistique, par amour, ou que je fréquente par amour par rapport à ma vie privée. Et donc, du coup, j'ai décidé de revenir sur des lieux qui sont importants pour moi, donc des lieux dans les Alpes, qui est la Meije et le Mont Blanc, et le massif du Mont Blanc, puisque c'est le massif, pas particulièrement le mont lui-même, la côte landaise avec la forêt des Landes, une forêt en Allemagne que je fréquente beaucoup, qui est au-dessus de Koblenz, au-dessus de la vallée du Rhin. La Hongrie, où il y a commencé à avoir des endroits m'attirent et que j'affectionne particulièrement. Et les Pays-Bas, où je vis maintenant, et où il commence à y avoir des endroits où je vais régulièrement filmer. Et la Normandie, qui reste, je crois, la Haute Normandie, avec cette petite section entre Saint-Valery-en-Caux et Le Havre, qui est peut-être l'endroit que j'ai le plus filmé de façon générale, en tout cas qui représente le plus gros volume sur mes disques durs, maintenant, en concurrence avec les Alpes quand même. Je me concentrais sur ces endroits que je connais et je restais dans ma pratique avec dans l'idée que j'allais cette fois-ci peut-être franchir un cap dans ce travail-là et me concentrer plus qu'à l'habitude, parce que souvent quand je vais filmer ces endroits, j'y vais 2-3 jours. Mais j'y vais tous les ans. Par exemple, la Fécamp, j'y vais tous les ans depuis 2008. Il y a quelque chose qui se passe véritablement à filmer le même endroit
tous les ans, jamais de la même manière, jamais avec les mêmes conditions. Et la Meije, je la filme depuis 6 ans maintenant, hein, tous les ans. Là, je me suis dit, ben, ce projet-là, c'est l'occasion de prendre plus de temps avec chacun de ces endroits-là, d'avoir une relation plus privilégiée. Et ça, c'était un point important pour moi, c'est-à-dire de trouver des endroits où j'allais ne jamais les perdre de vue. Donc, par exemple, la Meije, c'était trouver une maison qui me permettait de voir la Meije tout le temps, du lever au coucher, de pouvoir avoir une caméra constamment pointée sur la Meije et pouvoir faire des images comme ça, en plus de mes allers-retours avec le sommet. Le Mont Blanc, c'était pareil, le massif du Mont Blanc, il fallait trouver un endroit. Bon, je n'ai pas trouvé une maison économiquement, pour des raisons purement économiques, là, avec une vue incroyable sur le Mont Blanc, mais trouver une maison où je pouvais marcher 5 minutes et avoir une vue, une vue incroyable. Et donc l'idée, c'était, voilà, sur ce projet-là, de pouvoir consacrer vraiment du temps. Et au départ, je pensais passer 10 à 12 jours sur chaque lieu sans bouger. À cause de ces histoires de retard sur les budgets, j'ai passé en moyenne 4 à 6 jours sur les lieux. Ce qui a été pas suffisant dans la réalité. Et je le savais depuis le début. On va regarder des images dans un instant. Peut-être la particularité de ce projet, mais liée au projet européen lui-même, c'est le mélange de tous ces lieux. Parce que beaucoup de tes films sont plutôt des explorations d'un même lieu. Et là, on est dans un grand, je ne sais pas comment il faut l'appeler, oui, un grand mélange, une... J'ai pas encore peut-être le bon terme, il faudra le chercher, mais bah c'est les, voilà, là c'était un montage, ouais. En fait, voilà. Ouais, c'est un montage. C'est un montage. C'est quelque chose que je fais jamais, que j'ai fait une fois pour Faust. Mais Faust, pour moi, relève totalement de la fiction. C'est vraiment un opéra. Enfin, il y a des gens qui chantent devant l'écran, donc du coup déjà ça. Il y a une rupture avec le lieu assez conséquente. Parce que quand je suis dans le lieu, il n'y a personne qui m'accompagne en chantant. Là, je voulais rapprocher. En fait, ces paysages, pour moi, ils ne sont pas séparés. Ce n'est pas des endroits différents. C'est des moments qui, pour moi... C'est un peu, comment dire, je compare souvent maintenant les lieux à des amis. Bien sûr, ils ont leurs différences, bien sûr, ils ont leur personnalité, bien sûr, on ne fait pas les mêmes choses, je ne me compare pas de la même manière quand je vais en haute montagne ou quand je vais dans les petites collines allemandes, en forêt ou dans la tempête au bord de la mer. Mais j'y vais de la même manière et j'y vais avec les mêmes intentions et je pense que quelque part c'est la même chose que je vais chercher et quelque part ce film là les quelques notes, j'ai tellement peu eu de temps que j'ai très peu dessiné, fait de schéma, très peu pris de recul en fait dans le travail sur ce projet mais les quelques notes que j'ai prises, j'y parle d'indifférenciation. Il y avait une idée de rendre d'indifférencier les différents lieux ce qui dans la réalité fonctionne au niveau de la montagne puisque la montagne on change de lieu énormément. C'est les Alpes, mais les Alpes à plusieurs endroits. Il y a les Alpes italiennes
les Alpes françaises, le Mont, avec le Mont Blanc, et puis le massif des Écrins, qui sont totalement mélangés. C'est très difficile, bon, à part la montagne iconique qu'on reconnaît à un moment donné, qui est la Meije, puisque bon, on voit la Meije totalement. Bon, après, c'est pour ceux qui connaissent sa forme. Sinon, c'est difficile à différencier. Mais la mer, les mélanger, on passe de la Normandie aux Pays-Bas sans se rendre compte que ce sont des mers différentes. Et la forêt, c'était en projet, mais dans la réalité du film, bah, finalement, les deux sections de forêt qui sont présentes, elles sont quand même séparées l'une de l'autre. Mais dans la réalité de ce que je voulais faire, bah, en fait, elles étaient, y avait d'autres forêts qui intervenaient. Donc l'idée, voilà, c'était de rassembler les motifs, montagne, mer, forêt, oiseaux. J'ai oublié les oiseaux tout à l'heure. Qui sont les principaux motifs. Bon, et ciel aussi, il devait y avoir plus de ciel. Voilà, dans la réalité, il y a 40 minutes, peut-être 50 minutes qui ne sont pas là dans la pièce. Donc il y avait ce désir-là de rapprocher les choses que j'aime et de les mettre véritablement ensemble. Et c'était vraiment l'envie comme ça d'avoir un objet plastique où il y avait vraiment une fusion physique entre ces lieux. C'est peut-être c'est une sorte de portrait de famille ou un truc comme ça à mon échelle du rapport que j'entretiens avec la nature. Mais je pense que l'ambition du projet réel ne rentrait pas du tout dans la réalité du temps que j'avais. Et voilà, ça a été un passage assez étrange de ma vie. Je pensais que Faust resterait le travail le plus difficile que j'ai jamais fait, puisque ça a été vraiment des enjeux esthétiques très durs, puisque j'ai découvert que sur la musique de Berlioz, on pouvait mettre absolument n'importe quelle image, et que d'une certaine façon, c'était toujours joli, et que du coup... comme on pouvait mettre n'importe quelle image, on pouvait en mettre aucune. Donc c'était très difficile de trouver comment arriver à un niveau symphonique avec l'image et d'être à un niveau où il n'y avait plus de séparation entre l'image et la musique. C'était mon ambition pour l'opéra, qui était d'arriver à faire de l'image un élément musical. Qui est une ambition très très différente de ce qu'on verra par exemple dans Si le silence, où le rapport à la musique est très très différent. Là, il y avait une ambition qui était quelque part de faire un chef-d'œuvre, mais pas dans le sens un chef-d'œuvre en tant que compliment, un chef-d'œuvre en tant qu'accomplissement et aboutissement de toutes ces années de recherche et d'aventure dans ces différents endroits. Et du coup, d'arriver à un état du travail qui permette de passer à l'étape d'après, en fait. Je fonctionne beaucoup comme ça, et je pense qu'il y a des œuvres étalons. Alors, je dis œuvres parce que ce n'est pas forcément toujours des films. Ça peut être autre chose. Mais il y a des comme impression, par exemple, et un film étalon. Il y a vraiment une bascule dans mon travail entre avant et après ce film-là. Comme certainement avant l'effondrement du Mont Blanc aussi, il y a un moment donné une avancée dans mon travail, parce que ce sont des projets sur lesquels je consacre une énergie très conséquente et que je vais aller chercher cette chose-là qui est le maximum de ce que je peux faire avant le moment donné où je me dis que j'ai plus besoin de faire parce que c'est déjà là.
Je ne sais pas si c'est... Si, si, mais c'est la grande question dans ton travail qu'on se pose toujours, c'est à quel point tu cherches ou à quel point tu trouves, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire à quel point tu cherches des choses pour les obtenir, ou est-ce que par tâtonnement, expérimentation, des choses émergent à toi et tu les retiens ou pas, et à un moment donné, il y a une rencontre entre ce que l'œuvre te propose et qui va être voilà, un résultat que tu attends. Que tu attendais, cette limite est toujours. Ouais, je sais pas du tout ce que j'attends, donc du coup, il y a vraiment pas. Il y a des gestes techniques. Hein, on va en voir un là, d'ailleurs. Il y a des gestes techniques de métamorphose. Il y a des moments où je me dis, je vais emporter, comme le premier extrait qu'on va avoir, je vais emporter une couleur avec une séquence que j'ai filmée, je vais emporter une falaise avec une vague, comme ce qu'on va voir. Il y a des gestes comme ça qui sont conduits, mais je ne sais pas quel va être le résultat plastique réellement. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne dans une boucle de rétroaction, qui est d'essais, d'expérimentation. Voilà, ça, il y a des des choses microscopiques. Par exemple, peut-être que à un moment, il va se passer un truc un peu magique avec de l'or dans ce que vous allez voir. Je pense que j'ai travaillé peut-être 60-80 heures sur quelque chose qui dure 30 secondes. Le refaire. Jusqu'à un moment donné où il y a une sorte d'équilibre que je ressens. Et je pense que c'est pas une histoire de résultat visuel, c'est une histoire d'équilibre entre l'image dans sa dimension naturaliste et... l'invasion, c'est peut-être pas un mot employé en ce moment, mais la profusion physique de la matérialité numérique de l'image. Cette image-là, trouver un équilibre comme ça entre un raccourci, quoi, mais entre le naturel et le synthétique. Et ça passe par une recherche qui ne s'arrête que quand je reconnais quelque chose. Quoi. Et comme dans l'effondrement du Mont Blanc, il y a des moments comme ça où c'est très long et ça tient vraiment à rien. Et que pendant longtemps, je suis pas loin, mais c'est pas ça. Et c'est très difficile de trouver le levier qui permet de trouver l'équilibre. On regarde ? Ouais. Donc on peut lancer hein, le premier extrait qui avait été prévu, qui sera justement voilà, une falaise, du bleu et la mer qui emporte. Qui dure une dizaine de minutes. Alors voilà, on voit beaucoup de choses dans ces quelques minutes. Effectivement, comme l'a dit Jacques, une falaise couverte de bleu emportée par une vague avec un changement comme ça radical de point de vue, d'un point de vue frontal à un point de vue zénital, qui devient très impressionnant. Aussi bien après une mer dorée à leur fin, peut-être que Jacques nous expliquera un peu de quoi il s'agit précisément. Et puis la nature végétale qui revient. J'avais peut-être envie de citer brièvement Emmanuel Coccia sur la question des métamorphoses, puisque vous avez vu le cinéma de Jacques est quand même travaillé de fond en comble par la métamorphose, mais celui-ci peut-être plus encore.
Ce que dit Kochia en introduction et en conclusion de son livre, nous appelons métamorphose cette double évidence. Tout vivant est en soi une pluralité de formes, simultanément présentes et successives, mais chacune de ces formes n'existe de manière véritablement autonome, séparée, car elle se définit en continuité immédiate avec une infinité d'autres avant et après celle-ci. Et la pièce qu'on vient de voir ne fait que justement créer cette mise en relation et cette continuité entre ces différents éléments et être, on peut les appeler comme ça aussi. La métamorphose est à la fois donc deux choses pour Kochia, la force qui permet à tout vivant de s'étaler simultanément et successivement sur plusieurs formes, et deuxièmement le souffle qui permet aux formes de se relier entre elles, de passer l'une dans l'autre. Voilà, je vais simplement dire ça pour l'instant. S'il y a des commentaires ou des questions sur ce qu'on vient de voir, c'est possible. Et puis sinon, je redonne tout de suite la parole à Jacques. Mais si vous voulez vous-même réagir. Non, ben Jacques, si tu veux toi-même apporter un éclairage à ce qu'on vient de voir. Ouais, le premier éclairage, c'est que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on vient de voir dans la réalité. Y a deux choses. Bon, d'une part, la qualité de l'image, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais aussi, ce n'est pas du tout une image qui est faite pour être projetée comme ça, qui est vraiment faite pour être vue dans ces dimensions. Et je pense que c'est vraiment la première fois. D'habitude, c'est vrai pour mes tirages. Mais c'est assez facile avec un tirage, puisqu'on ne le redimensionne pas, un tirage. Il fait toujours la même taille, une fois qu'il est imprimé. Alors que les projections, elles changent toujours de taille en fonction des contextes dans lesquels on les voit, quand on est sur un ordinateur, tout ça, le film a toujours une même taille. Donc la plupart du temps, il y a quand même un différentiel qui se passe entre l'expérience qu'on peut avoir de mes images sur un ordinateur et l'expérience qu'on a au cinéma, parce que la dynamique de l'image n'est pas la même, le piqué n'est pas le même, il y a plus de détails. Mais là, cette pièce, elle passe vraiment une autre dimension quand on la voit physiquement dans sa réalité, puisqu'elle est véritablement incarnée par les LED de l'écran. Le projet de la pièce était de vraiment faire quelque chose pour cet écran. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Alors, la seule bonne chose, si jamais on peut dire bonne chose, en tout cas, ce qui était pratique, c'est qu'on était confiné aux Pays-Bas pendant ma période de travail. Et que du coup, les théâtres n'étaient pas actifs et que j'ai pu avoir l'écran installé dans un théâtre sur scène. Donc du coup, j'avais vraiment la possibilité d'avoir des mises en situation à échelle et voir l'incarnation de l'image. Et j'ai beaucoup travaillé, comme je le fais d'habitude, mais d'habitude, je le fais avec mon écran d'ordinateur, sur ce que je voyais là. Et les images sont beaucoup construites sur mon impression quand je voyais l'écran, les images que je faisais sur l'écran. Et donc, du coup, j'ai beaucoup joué avec la matérialité et avec l'échelle des LED. Et il y a des échelles de détails qui sont totalement imperceptibles, en fait, quand on voit l'image comme ça, en tout petit, parce que là, pour le coup, elle est toute petite. Et quand on en est loin, elle n'est pas faite pour être vue de très loin, cette image. Donc du coup, c'est une autre histoire qu'on voit comme ça, quoi. C'est un peu comme la documentation que j'ai faite de la pièce, qui du coup est sous cette forme vidéo. En fait, quand je l'ai revue après, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne voyait pas la pièce et qu'on était vraiment sur quelque chose de différents termes de propositions, et que du coup sur la temporalité on a un rapport très différent à l'image aussi, puisque on lit pas la même chose dans les images. Là les oiseaux, ils sont énormes sur l'écran normalement, et puis ils sont devant nous, et l'image, elle est cadrée de façon à ce que on soit à hauteur d'homme sur l'horizon. Donc du coup, on a la falaise, c'est vraiment quelque chose qui se déploie au-dessus de nous,
Et puis là où d'habitude dans les projections on est habitué dans tes films à voir des oiseaux justement traverser l'écran, donc là il y en a encore, mais il y a un autre niveau d'échelle qu'on ne voit pas d'habitude dans tes films, c'est les insectes. En tout cas on les voit parfois, mais pas là, ils sont particulièrement travaillés en le voyant de près sur écran d'ordinateur. Tu as agrandi aussi, tu as montré des images très agrandies qui pourraient donner une impression peut-être de ce qu'on voit un peu plus proche, de ce qu'on peut voir plus près de l'écran. En tout cas en termes de taille, il y a un niveau de détail sur les, oui, sur les insectes qui eux-mêmes travaillent l'image. On a vraiment l'impression d'image travaillée par le vivant. Voilà. On le verra un peu sur l'extrait d'après où il y a beaucoup de papillons qui viennent dessiner des choses dans l'image. Mais dans toute la séquence de forêt, en fait, c'est quelque chose qui est tout le temps vrai dans mes images, mais là, qui est particulier parce que ça a été filmé en très haute définition et puis l'écran est en très haute résolution. Donc du coup, il y a beaucoup de détails dans l'image. Il y en a quatre fois plus que d'habitude. Et du coup, il y a des acteurs qui apparaissent qui d'habitude ne sont pas très importants, comme les moustiques par exemple. Et acteurs de l'image en fait. Non seulement ils ne sont pas acteurs l'image, mais ils sont acteurs de l'image parce qu'ils fabriquent l'image et contribuent à sa fabrication. Choses, souvent, il y a des choses qu'on ne voit pas quand on voit le rush. Avant qu'il soit pris dans la compression vidéo, il y a des choses qu'on ne voit pas parce que c'est des mouvements qui sont présents, mais il n'y a pas de différence importante au niveau de la luminosité entre, par exemple, quand vous allez en forêt, les moustiques, vous les voyez quand ils ont la lumière qui vient les découper. Mais quand ils sont dans une zone d'ombre, et qu'ils sont pas on peut les entendre, mais on ne les voit pas forcément. Mais ils sont présents et la caméra, elle les capte. Elle capte une variation et cette variation, due à leur déplacement, elle est inscrite dans l'image et elle devient visible avec le travail que je fais sur la compression vidéo. Et elle devient plus visible que d'autres choses de l'image qui, elles, ne sont pas en mouvement. Donc du coup, il y a un renversement dans la hiérarchie de perception de l'image. Et ce projet-là, j'ai vraiment... jouer sur ces choses-là, pas dans le détail. J'ai pas été travailler les moustiques particulièrement dans l'image. Ce que je fais jamais dans mes images, c'est d'aller chercher un oiseau, chercher un truc pour l'extraire de l'ensemble. Il y a vraiment toujours une unité complète sur le travail de l'image. Mais voilà, il y avait un jeu important. Donc du coup, il y a quelque chose qui est difficile dans la présentation de cette pièce, c'est qu'on ne la voit pas véritablement, et que la documenter aussi est compliqué. J'ai voulu filmer, mais filmer, ça ne rend pas du tout la même chose. Donc ça résume tout, c'est toujours des histoires de résumé. D'une certaine façon, on a l'idée générale, mais on ne fait pas l'expérience du tout de ce qui est en place. Sur la partie de l'or, peut-être, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup le temps de parler d'alchimie, parce que ça nous emmènerait dans une beaucoup plus longue discussion, je pense, mais c'est une dimension qui t'intéresse, au moins d'un point de vue philosophique, tu le dis. Et tu as parlé tout à l'heure des points clés dans ta progression, dans ta carrière, dans ta progression à travers les œuvres. Il y a des œuvres comme ça, pivots, qui te font passer d'une étape à une autre, qui t'emmènent vers de nouvelles... procédures, de nouvelles recherches artistiques, mais qui a peut-être à voir sans doute avec ce processus alchimique aussi, qui est un processus d'un parcours initiatique. Et il y a évidemment la question de la transformation des matières qui t'intéresse beaucoup au premier titre, comme ça, dans l'image numérique elle-même, comme transformation des matières du monde. Et l'apparition de l'or, là, j'imagine, n'est pas sans lien non plus avec cet intérêt. Non, mais il est pas. Il apparaît l'or. Il apparaît la première fois sur la série qui s'appelle Or, tout simplement. Et ça, c'est effectivement vraiment très lié à l'alchimie. Moi, avec l'idée de faire entrer la lumière dans la matière. Donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, cette idée-là. Et y a un lien très fort entre la lumière et l'or. Et donc, du coup, pour moi, aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça sera comme ça longtemps, mais travailler comme ça à la feuille d'or, et c'est véritablement, contrairement à...
Déjà, dans la série Or, il y avait un travail direct, parce que pour l'or, je suis allé chercher les toiles de Klimt et j'ai photographié les toiles de Klimt. Donc il y avait quand même une matérialité qui existait, quoi. C'était pas une image d'or que j'ai récupérée ou quoi que ce soit. Je suis allé chercher l'image de l'or, quoi. Et là, je voulais aller un petit peu plus près de la matière, et j'ai acheté des feuilles d'or. Et en fait, j'ai fait des photos en studio de feuilles d'or pour voir comment je les éclairais, comment je faisais ressortir leur matière, et être véritablement dans une relation comme ça, assez, avec ces petits carrés qui brillent. Et déjà aller chercher dans ce geste, ce premier geste-là, quelque chose dans leur matérialité, pour après venir les mettre comme des points de fusion dans les images, entre des éléments. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu, bon, c'était un petit peu présent dans Impression avec la question des monochromes, mais c'est devenu vraiment central dans Étrique, hein, puisque dans Étrique, je me sers de textile pour faire des points de fusion. Alors, ce que j'appelle des points de fusion, en fait, c'est des images qui sont pas là, en fait. C'est-à-dire que là, on a une séquence qui tend vers l'apparition de l'image, comme là, on a l'or qui doucement apparaît à la surface de la mer, et après qui fait apparaître les arbres, quoi. Mais seulement, il n'y a jamais une seule image avec l'or. C'est toutes les images, c'est les images de la mer et les images de la forêt. L'or, il a été fusionné, mis dans ces séquences avec la compression vidéo, mais c'est une persistance de cette image, elle n'est pas là, en fait. Mais ce qui est très impressionnant, en tout cas, quand l'or apparaît sur la mer, c'est que si vous avez déjà vu une feuille d'or, c'est donc une feuille très, 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 très fine, qui a la particularité où on la prend et on l'applique sur un support, et elle prend immédiatement la forme du support. Elle épouse la forme du support. Et là, il se passe la même chose dans tes images. En fait, là, l'or prend les formes de l'eau et de la mer, et c'est très émouvant de se dire qu'on a exactement le même procédé transposé, et que l'or recouvre la mer comme si la mer était dorée. C'est pour ça que je vais de plus en plus vers des matériaux physiques. Là où je travaillais avec des aplats de couleurs qui sont synthétiques, quoi, purement numériques, comme le bleu sur lequel on démarre, c'est un bleu d'ordinateur. Donc je l'ai choisi, je l'ai cherché, mais il a pas de physicalité, quoi. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on verra de moins en moins dans mon travail, d'avoir des couleurs qui ne sont pas des couleurs de quelque chose, et qui ne sont pas véritablement des phénomènes vibratoires aussi saisis. Est-ce que tu veux qu'on montre un deuxième Je ne sais pas. Ce qu'on avait prévu. Il reste quelques minutes. Peut-être montrer le moment des papillons quand même. Et aussi le panoramique, je ne sais pas. Ouais, le papillon. Allez, on peut montrer le deuxième extrait. Alors, il y a une autre conversation qu'on ne pourra pas mener aujourd'hui et qui est à poursuivre, qui est la question très très vaste du sensible, du rapport au sensible, de ton rapport au sensible, mais du rapport de l'artiste au sensible en général, puisque tes films, en fait, travaillent énormément cette question. Là, je repense à deux propos, à nouveau un propos d'Emmanuel Ecoccia dans un autre livre qui s'appelle « La vie sensible », qui est un magnifique traité des images, en fait, ce que le titre ne laisse pas percevoir, et qui dit, très belle idée, je trouve, que pour lui, une image, c'est quand les choses du monde deviennent sensibles, et que le devenir sensible des choses du monde, c'est l'équivalent de la genèse d'une image. C'est une image en train de se former. Et puis je pense à un autre philosophe
qui est assez, assez connu aujourd'hui, dont on parle relativement souvent, qui s'appelle Baptiste Morisot. Voilà, c'est cette jeune génération de philosophes du vivant et de la nature. Et Baptiste Morisot qui parle, lui, d'une perte de... Enfin, en disant un des problèmes, un des problèmes de notre rapport à l'écologie, de notre rapport au monde aujourd'hui, c'est une perte de la sensibilité à un moment donné, une perte de l'attention et une perte de l'égard que l'on peut avoir à l'égard des vivants, justement, de l'attention que l'on peut avoir à l'égard des vivants. Et tes films, me semble, nous redonnent de l'attention, nous redonnent des égards, en repassant justement par un travail des images, c'est-à-dire par un travail là où se situe, où se localise exactement le passage du sensible, en fait, dans ce lien entre le monde et les images. Donc il me semble que tu travailles une zone extrêmement riche, extrêmement importante, en fait, en termes qui dépasse bien largement le fait de faire quelque chose qui peut paraître beau, impressionnant, etc. Ça touche aussi en fait un point extrêmement au fond crucial, je vais dire simplement crucial, voilà, pour ne pas dire politique, mais parce qu'il est un mot qu'on met à toutes les sauces. Mais voilà, ça touche une chose très importante en tout cas. Et pour préciser tout de suite, avant de prendre éventuellement de dernières questions, remarques et de laisser aussi Jacques conclure, mardi, on se retrouvera mardi soir à 20h à l'Utopia pour montrer donc deux pièces inédites en salle. Si le silence, c'est un film qui a été montré assez récemment, mais en ligne, dans un festival en ligne, mais qui n'a jamais été montré en salle, donc ce sera une première. Et Salambo, qui est donc une commande qui a été faite pour le bicentenaire de la naissance de Flaubert, puisque donc tu prends pour point de départ le texte de Flaubert Salambo, tu en proposes une mise en image, on va dire, et ce qui normalement est une pièce que tu joues en performance avec le musicien, avec les musiciens, et là aussi tu en as créé pour l'occasion, pour cette projection de mardi, une version cinéma pour la salle. Donc ce seront deux premières, donc on a de la chance. Donc il va falloir refaire un petit peu de communication, je crois, pour cette séance, d'autant qu'elle est, on peut le rappeler, gratuite pour tous les étudiants personnels de l'université. Donc si chacun amène une dizaine de personnes avec lui, c'est parfait, on sera très bien mardi soir. Voilà, mais ce sera en tout cas une occasion rare de découvrir ces pièces qui seront projetées dans les très bonnes conditions pour la salle de cinéma. Y a-t-il des questions que vous voulez poser à Jacques Perconte ou des remarques? Oui. Oui, je pense qu'il on manque d'attention beaucoup avec la nature. Peut-être on n'a plus beaucoup de liens, hein, justement à cause de ces histoires d'attention. On y va souvent. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup quand ils vont dans la nature, qui pensent à autre chose que... à la situation dans laquelle ils sont et tout ça. Parce que souvent, il y a des choses qu'on ne voit pas bien. Elles sont là, mais on ne les voit pas bien. Moi, je pense qu'il y a... Bon, il ne faut pas que je dise ça parce que c'est toujours mal interprété et ça prête à confusion, mais je fais de la peinture. Mais je fais de la peinture autant que je fais du cinéma. Il n'y a pas de différence pour moi dans les deux formes dans mon travail. Ce
pas, il n'y a pas une dimension qui appartient à la peinture et une autre dimension qui appartient au cinéma. Je l'ai fait de la même manière. Et je pense que, je le dis régulièrement, il n'y a quasiment que la peinture qui me fait voyager pour voir une expo, qui me, parce que je n'ai jamais rien vu ailleurs, quelque chose qui me donne autant que la peinture. Après, ce n'est pas de la peinture en général, c'est certains peintres. Puisque tous les peintres ne sont pas non plus des génies. Enfin, bon, ça, c'est stupide comme terme, génie. Mais tout le monde n'avait pas forcément eu quelque chose à faire avec la peinture en faisant de la peinture. Hein, mais certains peintres arrivent à exprimer quelque chose de leur rapport au monde à travers ça. Et ma façon de faire du cinéma fait que je fais de la peinture. Parce que pour moi, le rapport, comme tu le disais, Vincent, il est sensible. Et c'est le premier lieu quoi, dans lequel les choses se passent pour moi. C'est dans cette relation amicale, profonde, où il y a beaucoup d'attention quoi, et beaucoup de lâcher prise avec les choses. Il y a très certainement un désir de peinture qui est constamment là et qui peut-être participe beaucoup à le niveau d'exigence que j'ai dans mon travail, non pas que je cherche une forme de ressemblance, mais certainement un état, un niveau sensible dans le résultat, dans l'image qui me donne peut-être autant de sentiments ou une intensité de sensations que ce que peut me donner la peinture. C'est toujours, je pense que mon plus grand souvenir d'exposition, c'est quand j'ai exposé dans une grande exposition collective à l'abbaye d'Auberive autour de toiles de Courbet. Là, j'avais le sentiment que j'étais pas prêt d'exposer avec Courbet, mais par contre que c'était véritablement quelque chose qui m'intéressait, et je rêve depuis longtemps de faire une exposition avec quelques-unes de mes toiles préférées de Courbet des Alpes suisses, et d'arriver à produire quelque chose qui pourrait être là aussi. Donc peut-être que voilà, j'essaye vainement de faire un truc qui arrive à tenir en face d'une peinture et qui soit capable d'exister dans le même lieu avec la même intensité pour moi. Alors, la première, oui, c'est principalement économique, c'est-à-dire qu'il y a des projets où c'est vraiment impossible que je me lance dedans parce que je ne pourrais pas le faire, ou le faire, ça serait vraiment un sacrifice trop, trop important, parce que je le ferais trop intensément, quoi, et ça prendrait trop de... Donc c'est une barrière que j'avais pas il y a 7-8 ans, mais maintenant que je pose. La seconde question, qu'est-ce que c'est une performance ? Alors, en l'occurrence, Salambo, je ne le performe pas. C'était prévu que je le performe, mais j'ai fixé les images.
Et donc, du coup, c'est les musiciens qui jouent la musique avec le film. Sauf que le film, il a une durée variable parce que les séquences, elles sont un peu plus longues que le montage qui est montré mardi. Donc, du coup, ils ont de la marge pour évoluer dans la pièce. Et c'est le compositeur Ottmann qui joue, qui performe et qui fait le montage en même temps. C'est lui qui avance d'une séquence à l'autre dans l'avancée de sa musique. Pour répondre à comment je performe les images, comment le faire simplement, c'est très lié à la nature réelle des fichiers vidéo avec lesquels je travaille, qui font que ce sont que des flux de données et qui donne énormément de souplesse à la navigation dans la vidéo, avec le fait que quand on change d'endroit, on obtient un point de fusion, j'appelle ça le point de fusion, les moments de métamorphose, quoi. On passe d'une séquence à l'autre avec une transformation. Et donc, du coup, monter en direct ces images-là, c'est jouer avec ce potentiel-là de transformation des images. C'est des performances où j'ai construit des sortes d'instruments qui me permettent de jouer des images comme si c'était de la musique et de manipuler leur physicalité. Mais je rajoute pas du tout d'effets, je rajoute pas quoi que ce soit qui n'est pas déjà là dans le fichier vidéo. Mais j'exploite cette potentialité-là, cette spécificité-là des typologies de vidéos que j'utilise. Et qui permet vraiment de dire que je joue à quelque chose. Et qui n'est pas simplement une sorte de mix où on passe par fondu ou effet de transition à un fichier à un autre. C'est très, très différent. Mais bon, ça ressemble à ça. Et après, ouais. Pour moi, le son, c'est toujours une question d'espace. C'est-à-dire que je construis le son. Comment formuler ça correctement ? Je fabrique un dispositif, en fait, avec le son. Puisque le son, c'est l'espace dans lequel baignent les spectateurs, les gens qui regardent les images. C'est ça qui construit... pour moi, leur relation véritablement. Comme le silence, hein, il y a j'utilise beaucoup le silence. D'ailleurs, Salambo, en version performance, il s'ouvre par le silence, alors que dans la version cinéma, il s'ouvre par des sons de nature. Pour moi, c'est toujours une histoire de proximité qu'on va avoir avec les images. Donc, est-ce que c'est un guide réaliste? Et qui fabrique le réalisme des images, ou au contraire, est-ce que c'est un espace qui est abstrait et qui va être plus pour travailler ou continuer quelque chose avec l'intériorité et donc ça peut être en adéquation ou en contradiction avec des points de rencontre ou quoi que ce soit. Vous verrez
dans Si le silence, ça, c'est particulièrement pointu, hein, puisqu'avec Julien, on s'est vraiment entendu très fort sur ça, sur cette, Julien Després, le musicien qui a travaillé ça et qui a fait la création musicale sur le film. Et véritablement, il y a eu une compréhension non verbale, quoi. On était vraiment sur la même longueur d'onde sur la fabrication, parce qu'on a travaillé avec un procédé qui était que j'ai fait un premier montage du film. Il a fait une proposition musicale et j'ai fait un deuxième montage du film sur lequel on a fait des corrections et on a rattrapé des choses, on a discuté. Mais c'est vraiment une conversation comme ça où je voulais que la musique vienne, je voulais entendre sa réponse à mes images et que sa réponse soit la structure à partir de laquelle j'allais construire des choses. Et en fait, la proposition qu'il a faite était très juste par rapport à ce que j'attendais. Parce que j'attendais l'idée que j'avais de ce projet en l'appelant Si le silence, en fait. Puisque là, pour le coup, il y a un scénario, c'est le titre. Et ça fonctionnait très bien. Mais c'est toujours une histoire de rapport à l'image, pour moi, le son. Et quand j'utilise la musique, c'est parce qu'il y a un désir d'amener les gens quelque part de très particulier, que le son direct des images serait peut-être trop terrestre. Je dirais peut-être que c'est une question d'attachement au sol aussi. Je travaille beaucoup le son, je travaille beaucoup sur la hauteur de perception dans le corps. Savoir si je veux que ça soit quelque chose qui soit perçu dans le ventre, dans la cage thoracique, ou quelque chose qui soit plus un peu mental et aérien. Donc c'est plus des choses comme ça que je fonctionne, quoi. De toute façon, on aura l'occasion de revenir plus longuement sur la question sonore et surtout musicale mardi, justement, puisque les deux films engagent vraiment tout ce travail-là très fortement. Ouais. On s'arrête là. Merci beaucoup, Jacques. Merci d'être venu.